Bonjour chers amis, nous voici donc pour ce 16e de finale de Coupe de France. À l'endroit prévu, le stade Pierre Pibarot d'Alès. Ça faisait plus d'un quart de siècle que le MHSC ne s'était pas rendu ici. De mémoire, des plus anciens. Alors ce match de Coupe de France, son coup d'envoi sera donné à 14h15. Il opposera donc l'Olympique d'Alès, équipe de National 3, à l'équipe de Michel Derzakarian qui, comme il vous l'a dit hier, fera l'objet quand même d'un turnover. On attend donc impatiemment la feuille de match de ce match de coupe. Il n'y aura pas de prolongation, hein. Attention. Allez, à tout à l'heure en live. Un joli match ici et on espère pourquoi pas une surprise parce que si Alès venait à perdre ce 16e de finale, ça serait tout simplement la fin sans doute de la saison puisque la National 3 ne devrait pas reprendre son championnat. Oui, Alès va jouer effectivement un gros match et on peut dire l'ensemble de sa saison sur ce 16e de finale, donc on s'attend quand même à un match serré. On les a vus, les joueurs alésiens, ils sont remontés comme jamais, ils ont envie de créer cet exploit. Il y en a beaucoup qui viennent des centres de formation, notamment de Nîmes et de Montpellier, qui ont aussi une petite revanche à prendre vis-à-vis d'un monde professionnel qui leur a un peu tourné le dos. Oui, tout à fait. Ces joueurs ont des choses à montrer, à prouver, et on espère que cet après-midi, en tout cas, on va avoir du spectacle sur les chaînes d'Eurosport. Voilà, coup d'envoi maintenant dans quelques instants, quelques minutes ici à Alès pour ce 16e de finale donc entre Alès et la Ligue 1 Montpellier. Alès club de N3 qui affronte le voisin Montpellier en pleine bourre en Ligue 1. Montpellier qui n'a plus perdu depuis 7 matchs. Les Gardois sont-ils capables de créer l'exploit? Là, c'est un rendez-vous dans 90 minutes. Pourquoi pas, on espère en tout cas une belle rencontre. Jordan Ferry, Ferry qui ouvre le score. Ouverture du score de Jordan Ferry. Magnifique but de l'ancien Lyonnais. Après un relais, mais il s'est créé cette occasion quasiment tout seul. Et Montpellier qui ouvre le score très vite dans cette rencontre. Un vrai coup de massue pour Alès. Oui. C'est bien peut-être un bon ballon là par Fofana. Oui. Avec Elbakal qui part dans la profondeur. Elbakal face à Pedro Mendes. Elbakal. Et l'égalisation d'Alès. C'est l'homme en forme, on vous le disait.
magnifique réaction d'Alès. C'est eux qui ont les plus grosses occasions avec Derrick. Mais c'est Cécile Montpellier qui aurait pu reprendre l'avantage contre le cours du jeu. Oui, sur une belle action qui avait commencé du côté. Voilà, Jordan Ferry. Et Spouletic qui gagne son duel. Et bien voilà, chers amis, le quart d'heure de repos est terminé. Nous allons reprendre cette rencontre sur le score qui était évidemment de 1 partout lorsque nous nous sommes quittés. Alors nous étions pleins d'enthousiasme en début de partie. Nous maîtrisions relativement bien la rencontre avec ce but, le premier de l'après-midi par Jordan Ferry. Ma foi, tout semblait rouler à merveille. Et puis, il y a eu cette formidable égalisation de l'audacieux Oussama El Bakkal qui a permis donc aux Alésiens de reprendre du poil de la bête. Et ma foi, ils nous auront donné quand même bien du fil à retordre durant cette première période. Alors nous allons croiser les doigts pour que la seconde soit moins compliquée pour l'équipe de Michel Derzakarian avec ce paramètre qui va forcément compter maintenant l'état de fraîcheur de l'équipe gardoise et le taux de réussite de notre formation pour parvenir, bon sang de bonsoir, à faire la différence. Voilà, nous avons repris cette rencontre. Ferry dans la surface de réparation, attention au centre. Ferry, Bouchité, quel sauvetage. Oh, le sauvetage de Revoy sur sa ligne. Acrobatique, incroyable le sauvetage, parce que Bouchité, auteur d'une petite erreur de main, mais heureusement que son défenseur veillait. Magnifique. Première période. Et Mami Didi. Oui, bon ballon. Wahi dans la surface de réparation. Wahi qui se trompe un petit peu. Ferry qui reprend la balise. Oui, tout seul. Et le but de Gaëtan Laborde. À la 84e minute. Montpellier qui prend les devants. C'est terrible. Ouais, terrible. Terrible parce que sur ce mouvement, tout le bloc a été attiré là par Wahi. Et on a oublié de l'autre côté. Il y avait trop de joueurs. C'est bien, peut-être un centre de mort. Le centre, le poteau de Makonda. Elle était là, la dernière opportunité pour Alès. Le poteau de Makonda, terrible. Sur ce bon sens, ce bon travail d'Embo. Ouais. Il joue bien le coup en coupe. Les monos, cette balle pour les tirs au but. Et c'est terminé ici. Terminé à Alès où Montpellier se qualifie. C'est terminé, Cécile. Une victoire de Montpellier qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, comme l'an dernier. Ils avaient été sortis par Belfort au National 2. Et ce samedi, pas de surprise pour le HSC qui a régné la voix du plus fort. Oui, Montpellier qui a fait le job. Alès qui n'a pas démérité, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, une très bonne première mi-temps par contre deuxième mi-temps un peu plus difficile dû à manque sans doute de compétition, de rythme, mais en tout cas ils peuvent sortir la tête haute de cette Coupe de France. Ouais, malheureusement un gros temps fort en première période pour ces joueurs d'Alès qui sont revenus dans la rencontre après une ouverture du score précoce. Bon, ça va bien le moment et le coup de passer un petit moment ensemble, Nico. On va pas se mentir, hein. Ça n'a pas été aussi facile que prévu. Non, mais on savait que ça allait pas être facile. Quand une équipe comme ça de championnat inférieur joue contre nous, forcément ils veulent nous gagner. En plus, c'est une équipe de la région, donc on savait d'entrée que ça allait être un match difficile. Donc voilà, on a su bien l'aborder. Et malgré le terrain, on a su quand même essayer de jouer au football et remporter le match. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vous sont rentrés dedans? Ils sont rentrés dedans, exactement. Ça n'a pas été facile, on le savait. Donc on a su répondre présent, je pense. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand vous voyez les minutes passer et qu'il y a toujours un partout? on espérait marquer, chose faite. Donc bon, on est content et on repart avec la victoire. Mm-hmm. Avec deux tirs sur la barre aussi. Deux tirs sur la barre, ils ont fait un poteau à la dernière, dans les dernières minutes aussi. Donc bon, ça s'égalise, on va dire. Nicolas Cosa, il est content, Nicolas Cosa? Je suis content, bien sûr. On est qualifié pour le prochain tour, c'est parfait. Voilà. Merci.